Une autre fois encore, nous saluons tous les amis fanatiques qui suivent ce Fiat TV 83 dans le cadre du monde. C'est toujours un plaisir de retrouver dans ce channel et puis pour tes informations pour nous, Jean Lia. Suite à deux Dominicains, eh bien, bandits en Haïti, t'es kidnappé. La vie est censée prendre une autre phase. J'ai le côté de parler là, l'armée dominicaine t'a assemblé sous route pour venir récupérer deux ressortissants dominicains, bandits à exam en Haïti. T'a kidnappé et puis séquestré yo mandé 2 millions de dollars américains pour t'a libéré yo. Gouvernement dominicain a suivi situation en point par point et yo même y a gardé pour qui ça ou t'a fait dans ça. Eh bien, j'ai information vient joindre nous. Nous porter le pour ami Sofia TV 83 au Jean Lia. Selon Ismaël Valestin, l'armée dominicaine t'a en route pour côté n'a pas lié là. Est-ce que vous arrivé à soir là? Est-ce que vous arrivé demain si Dieu veut ou n'importe qui l'heure pour t'a venir récupérer frère, confrère, petite terre, que bandit en Haïti t'a kidnappé. Ma quitte les amis fanatiques, yo, j'en toujours dit, l'attendez, déclaration ça, yo. Ismaël Valestin t'a fait, sous boucanté la parole, sous situation ça, et même tout gagné ancien ministre justice là, maître Luc Mandelil, qui parlait sous dossier ça, et profiter moyen quelques points nan causé politique là en Haïti. J'en toujours dit, nous c'est gros réseau information, nous sommes toutes nouvelles, et n'a pas qu'un fanatique nous, informé au moment où peut-être a gagné évolution dans le dossier kidnapping ou encore l'armée dominicaine qui décide de rentrer en Haïti pour ta venir récupérer dans mes bandits en Haïti deux ressortissants dominicains. L'État dominicain l'a suivi de près. Il a suivi de près. Déroulement soufflé. Kidnapping des ressortissants. Des ressortissants, on connaît kidnappé week-end ça, qui n'a même la vie, réclamé 2 millions de dollars américains pour être capable de libérer. Autorité dominicaine, yo, y a suivi de près, déroulement de situation ça. Mais dans ça qui gagne, ouais, avec présence. Troupes, soldats dominicains sous terrain. Vous cantez la parole. Est-ce qu'on en route? Le cas sous frontière toujours. Mais pourquoi sous sol, papa des salines? Il pas sous sol, pourquoi sous sol, papa des salines? Mais autorité dominicaine, yo, l'État dominicain. Il y a suivre de minute en minute ça qui a passé dans cas ressortissant yo qui n'est même kidnappé et on dit c'est gravine yo a là avec yo donc dans ça gain avec présence dominicaine sous sol là monsieur vous arrivez est-ce qu'il a privé à soir ma connais est-ce qu'il a présent demain matin ma connais mais pas une présence soldat antiterroriste soldat dominicain sous sol pays d'Haïti mais l'État dominicain me dit encore il a suivi de près des ressortissants dominicains Radio Omega qui n'a même mal foi qui n'a même des moun sans foi ni loi qui depuis quelques jours par suspend kidnappé mon dans le pays là. Oui. Il y a des gens qui parlent de civil, il y a des gens qui parlent, ils ont mis Haïti sous protectorat, même temps de leur annoncer là, à gagner, paraît-il, au conditionnel qu'a gagné des soldats dominicains qui t'a vu choisir sortir sur la honte, tellement l'État n'a affaibli, qu'on a poussé eux-mêmes qui ont venu chercher compatriotes. Donc c'est une honte pour nous, et qui t'a occupé le pays ça pendant 22 ans. Après les États-Unis d'Amérique, l'armée était plus puissante. Qui était l'Amérique latine, non, pas du Caraïbe, là, l'Amérique latine, là, après les États-Unis de nous-mêmes. Radio qui était la plus grande armée qui existait dans toute l'Amérique latine, là, après les États-Unis de nous-mêmes, nous devons nous deux. Et là, nous avons un rayon, d'accord, ben, moi, de ça, c'est 7 février qui, son débat, 7 février qui m'est donné là, aux avocats,
ancien ministre de justice, ancien commissaire gouvernement. Son question 7 février 2021, 2022, c'est l'ICMED dans la crise continue là, c'est 7 février. Comment vous avez campé? Vous avez la parole? Je ne sais pas quoi, c'est l'ICMED dans la vallée. C'est pas oublier que le président Jovenel était contesté. Et même, et pas oublier comment il est sorti. Mais c'est lui qui a empiré. C'est lui qui a empiré la situation. Elle va rester. Regardez, tout est fait, Dieu a mis le président Rivet, etc. Et le président Jovenel a fait 22 mois, fait travail, il vient élu. Donc, vous êtes en des mondes qui t'ont dit tant pour le président Jovenel, t'as prêté serment, t'as prêté pour les pays. Donc, on a des classes sur ça. Le problème là, il n'est pas posé. C'est qu'on y a 7 février 2021 2022. Son problème qu'il a avant, donc, il n'a pas accepté le grand groupe politique, c'est toujours comme ça lié. Et il n'a pas mis tête ensemble, mais là, le monde vini, libre pouvoir, donc, il toujours contesté. C'est tradition ça. Ça a été fait sous en 1957 avec le docteur François Duval du tout. Il n'a pas jamais accepté ça. Donc, ça veut dire que l'opposition, il n'y a pas d'entendu, et puis, et donc, la vie du président, et puis, il y a tout le même problème là. Donc, ça veut dire que, ces situations de l'air, en situation là, qu'on y a, des carreaux depuis bas, même pour le débat, ça, le président Dumas s'est estimé. Donc, il était passé sous le président Vincent, sous des sentiments encore. Et, il était passé sous le président Bonneau, jusqu'à ce que son gouvernement bourgeois va le prendre, lui, je ne vais pas le faire l'élection 1930. Qui va aller bailler victoire président Sénior Vincent. Donc, toute l'histoire, je ne sais pas, elle est toujours faite. Donc, le problème n'a pas posé, crise qu'il a. Et alors, je suis conscient pour à partir de la date d'élection président Jovenel là, mais son crise qu'il a avant. Mm-hmm. Donc, son crise post-électorale qu'il y a là, son crise depuis 29 novembre 1987, que j'ai défini à lui sans question de Yel Bayan, vous songez ça? Même sur des timons, c'est l'histoire. Oui. Donc, crise ça, c'est depuis là, et élection gâtée, pour la deuxième élection, pour le 17 juin 1980, qui pour la bon, victoire pour M. Lissi Maniga, donc, il pour le renverser par pour un coup de force. Donc, voilà, depuis là, ça, donc, le pays a plongé la plongée jusqu'à ce niveau-là, de tomber dans le trou. Merci à Pile, Luc Mandelil. Voilà, ancien ministre justice pays d'Haïti, Luc Mandelil, c'est avec lui nous tapé Boukanti à Soya. Eh bien, bon, je ne parler sur Opus à Soya, mais malheureusement, je ne parce que nous entendons protecteurs citoyens. Renan Edouville annoncé que plainte a déposé là pour des citoyens haïtiens, ancien responsable DCPJ, Chile Louido. Un ancien responsable de CPJ, Chile Louido, et ancien député Marigo, Deïs de Honnête, ok, déposé plainte formelle, selon Renan Edouville, qui s'est protecté citoyen. C'est ça que fait, Jonathan. C'est ça que fait. Activité ou tap organisé dans l'hôtel Port-au-Prince nan l'a déroulé plutôt dans local OPCA, c'est assise des journées assises sous avant projet constitution. Il a fait plutôt dans local OPC. OK, dans local OPC. Et Renan Edouville lui-même a annoncé de déposer plainte formelle contre Chile Louido, ancien responsable de CPJ et ancien député Deïs de Honnête, député Marigot.